tous, bienvenue sur Lisa Scrap & Co. Alors, on se retrouve cette semaine comme convenu pour faire ce petit projet, le petit projet de Pâques, le petit panier de la chasse aux œufs. Vous voyez qu'il est bien garni, hein. Les cloches, elles ne sont pas encore passées, mais il est déjà bien garni de petits œufs. Donc, on va le réaliser ensemble. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très très simple. Il faut très peu de matériel, très peu de papier, un petit peu de déco, et puis ça fera plaisir aux enfants d'avoir cette petite surprise dans le jardin pour la chasse aux œufs.
C'était notre petit panier de Pâques. J'espère que ce petit projet vous a plu. Regardez comme il est mignon. Là, sur celui-ci, j'ai mis un petit mouton avec un petit message de l'autre côté. Puis on trouve nos petits papillons ici. Alors, j'espère que ce petit projet vous a plu. N'hésitez pas à partager et à faire voyager cette vidéo, à me mettre en commentaire vos réalisations, à me montrer ce que vous avez fait. Ça me fait toujours plaisir de voir comment vous vous appropriez les projets. On n'oublie pas le petit code hôtesse si jamais vous souhaitez passer une commande sur le site stampinup.fr sur la boutique en ligne. Vous mettez mon nom et mon prénom comme démonstratrice. Vous faites votre commande et avant de payer, vous mettez bien ce petit code, ce qui vous permettra de pouvoir bénéficier d'un cadeau le mois prochain que je vous enverrai avec plaisir. Je vous laisse pour cette semaine. Profitez bien, faites plein 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 de scraps, partagez avec moi vos réalisations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je vous fais plein de scraps, bisous. Bye bye, à la semaine prochaine.